Ce matin, on est ouvert dans la partie marché. Dans une couple de semaines, on devrait finir la partie bistrot pour avoir des petits repas, là, pas de la grande cuisine élaborée, mais des petits repas simples, faits avec simple, notre mais bouffe. Santé. Oui, c'est ça. Et puis, à partir de cette semaine, devront commencer à travailler à l'extérieur pour faire les terrasses, là, et les petits toits, là, qui étaient prévus comme sur le plan original. Et d'ici 15 jours, normalement, le petit coin... bistrot devrait être prêt. Oui, mm-hmm. oui. Et l'extérieur, ça va aller un peu plus tard? À l'extérieur, on dit fin août, parce qu'on va repasser au travers des vacances de la construction, là, fait qu'on va perdre une couple de semaines. Là. Mais fin août, on devrait être prêt à l'extérieur. Et actuellement, vous avez combien de producteurs qui peuvent vendre ici? Ce matin, on est peut-être une quinzaine de producteurs, mais cette semaine, on va en rentrer d'autres là, qui sont non-membres, mais qui ont plein de produits là, qu'on devra placer là, au travers des étalages. Puis ils vont être là. Ça veut dire qu'on devrait avoir une trentaine de producteurs qui vont être fournisseurs pour le marché. Parce qu'aujourd'hui, la température est incertaine, donc, mais c'est toujours rassurant de voir les gens dedans. Oui, bien, pour nous autres, bien, de toute façon, quand il fait moins beau, il y a tout le temps plus de monde au marché parce qu'ils vont moins se baigner. Ils viennent faire le marché puis faire des petites visites en même temps. Et si, pour parler d'autres choses, la cueillette des petits fruits chez vous, est-ce que les fraises, ça continue encore? Oui, on a encore pour une dizaine de jours les fraises. Okay. Oui. Ça va bien pour l'autocueillette. Oui, ça va bien parce que on a eu beaucoup de pluie ce printemps, mais là, on a de la pluie la nuit puis il fait beau jour. Fait que ça continue tout le temps. Là. On n'a pas une semaine de pluie là, consécutive. Fait que c'est bon là, pour la cueillette des fraises. Donc, on peut dire qu'on est gâtés. Ah, on est gâtés. Oui. Cette année, je pense qu'on a la bonne année. Là. Et merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie.